Salut à tous les gars, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Le ZLR de Broly Chillaï Lemo arrive sur la version globale à l'occasion des 9 ans. C'est d'ailleurs le premier ZLR bien sûr, qui arrive dans le cadre de cet anniversaire. Et alors, normalement, si on suivait le calendrier de la Jap, si j'ai pas de bêtises, il est censé arriver le 15 juillet sur la version globale. Or, le 15 juillet, c'est demain. Et il n'y a pas eu d'annonce in-game, pas encore de date ADL, pas encore d'annonce sur Twitter avec les stats peut-être traduites, je sais pas, mais enfin, je pense pas, peut-être qu'ils vont faire ça. Bon, avec le contexte de la synchro, c'est plus vraiment ce qui se passe, hein, maintenant c'est un petit peu à l'arrache. Donc, écoutez, il n'empêche qu'il arrive, qu'il passe ZLR, et je vous propose de regarder ce que fait la carte une fois qu'elle est ZLR, et les teams, eh bien, qu'on va pouvoir utiliser pour farmer. Mais en toute chose, les amis, bienvenue à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait plaisir si le contenu vous plaît, évidemment. Alors, initialement, cette équipe plus 330% de stats pour boss de film, parfait. Attaque et défense 15% à chaque sphère de ki obtenue, du nuke, ok. Si deux sphères de ki endurance ou plus obtenue, ki plus 2, attaque et défense 5%, pardon, en plus à chaque sphère de ki obtenue. Donc en gros, deux sphères de ki endurance obtenue, il va prendre du nuke supplémentaire. Si tu prends deux sphères de ki agi ou puis, c'est attaque 39% pour tous les alliés. Si tu prends deux sphères de ki tech ou int, c'est défense plus 39% pour tous les alliés. Si tu as 7 sphères de ki ou plus, tu as l'esquive garantie. Ça, c'est très fort par contre. C'est très très fort et ça permet aussi de boire une gorgée de café. Ouah, il est chaud. Du coup, il a quelques leaders de 100%. Enfin, il en a un surtout. C'est le Broly de 9 ans. Donc, si tu as droppé le Broly, bah, bien sûr, tu pourras en profiter pleinement dans la team. Aucun problème. Surtout en plus, c'est un extrême. Donc, très bien. Sur l'aspect, augmente fortement la def 50% pendant un tour, dégâts gigantesques, réduit l'attaque. Très bien. Augmente fortement l'attaque et la def pendant un tour sur l'ultime. Eh oui, il y a dégâts titanesques à 50%. Donc, il prend de base de la def. Ça, c'est très bien. Donc, s'il fait plusieurs spé, ok. Donc, là, a priori, je t'aurais dit, tu le mets full attaque supplémentaire. Maintenant, qu'est-ce que ça donne une fois qu'il est passé ZLR? Alors, je suis sur le Wikia parce qu'on n'a pas encore les données. Je viens de te le dire, il n'y a pas eu le data DL. Donc, j'ai pas les données sur le site FR. Donc, là, je suis sur le Wikia. Et là, ça donne du coup, eh bien, bon, le leader skill OZEF. Je crois que ça reste, de toute façon c'est équipe plus 4. Ouais c'était 130% de stats et maintenant c'est 150% de stats, ok très bien. Pour boss des films toujours évidemment. Donc sur l'attaque SP, il augmente grandement l'attaque et la def pendant un tour. Et il diminue fortement l'attaque. Donc 30% pendant 3 tours, augmente fortement l'attaque et la def 50% du coup pendant un tour. Et là par contre les amis, il prend 100% de stats attaque et def sur l'ultime. Donc là par contre, 100% ça multiplie par 2 les stats, hein. Tu l'as vu dans la vidéo sur la garde, comme tu sais calculer la def mieux que personne maintenant, c'est une étape multiplicative en plus, si tu fais 2 spé, bah tu multiplies par 2,5, parce que t'as 2 ici et t'as 0,5 ici. Donc c'est propre, c'est très propre. Hein. Attaque et défense 30% par sphère de ki obtenue, et 10% en plus de stats si c'est des sphères de ki endurance. Donc en gros, attaque et défense 40% par sphère de ki endurance obtenue, ça devient très intéressant. Il a ki plus 2 par sphère de ki obtenue, donc il part très vite en ultime. Il donne ki plus 2 et attaque 39% à chaque fois qu'il obtient une sphère de ki agilité ou puissance. Il donne ki plus 2, défense plus 39% à tous les alliés à chaque fois qu'il obtient un sphère de ki tech ou intelligence. Et il donne ki plus 2, attaque et défense 15% à tous les alliés quand il a une sphère de ki rainbow. Donc là, quoi qu'il arrive, il donne des stats. Soit de l'attaque, soit de la def. Au mieux, def 39%, c'est bien. Si t'as pas de sphère de ki endurance, essaie au moins de donner les stats à tes alliés en prenant du tech ou du int, c'est très bien. Il a en plus de ça... attaque plus 39% quand il part en spé, ça se multiplie, c'est une étape multiplicative. Il lance une attaque additionnelle spéciale. Voilà, c'est ça. Et il va donner des réductions de dégâts à hauteur de 10% si le ki est à 24 pour tous les boss des films et les boss de DB Super. Ça, c'est super fort, ça. Parce que tu donnes de la réduction de dégâts à tout le monde. Et ça, c'est sacrément goldé, comme faut pas, on va pas se mentir. Il a high chance, c'est 50%. Grande chance d'esquiver l'attaque ennemie. Donc là, il prend des chances d'esquive, et il esquive, évidemment, s'il a 7 sphères de ki obtenu ou plus, ça reste classique. Et alors là, par contre, et c'est là que c'est très cool, il change de manière random un type de sphère de ki autre qu'endurance en sphère de ki endurance, si l'HP sont à 60% au moins, et il change toutes les sphères de ki en sphère de ki endurance, si les HP sont à 39% au moins, une fois seulement. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses, c'est un support incroyable qui en plus est potentiellement intouchable en fonction de ton nombre de PV. En vrai, si t'es à l'agonie et qu'il te reste 10% de PV au début du tour, déjà il va changer toutes les sphères de ki. Et comme il nuque avec les sphères de ki, bah, il va se régène de fou. Parce que 23 sphères de ki endurance, limite tu seras full life. Donc il va te régène, c'est comme si tu prenais un Senzu. Et en plus de ça, t'as un slot complètement safe parce qu'il aura de l'esquive. Alors du coup, il suffit
pour le coup que tu aies des sphères de ki Rainbow pour en plus donner ki plus 2, 15% de stats à tout le monde, parce que tu as compris, s'il prend des sphères de ki endurance, bah, il prendra pas des sphères de ki ni tech ni intelligence, c'est juste logique, donc il pourra pas donner 39% de def. Mais enfin, si tu as une petite sphère de ki Rainbow à un moment donné qui traîne, je parle pas forcément de cette condition, parce que là, c'est toutes les sphères de ki qui sont endurance, tu as suivi. Mais bon, si tu es là, par exemple, ça peut être vraiment très cool, quoi. Voilà. C'est très bien, c'est très très bien, c'est vraiment très bien. Il a du, en plus de ça, il a un link set qui donne de la def, hein, quand même, 15% avec un Tello, jugement serein incroyable, boss incroyable, c'est le seul perso dans le nom qu'on prend Broly qui a boss, c'est quand même à noter. Le problème c'était les KT, hein. Ouais, c'est ça, le problème catégorie, bon, parce que boss des films, ça c'est bien, boss des B super c'est bien, force jointe éventuellement parce que tu mets un peu tout et n'importe quoi, et après c'est aux F tiers. Hein. Donc bon. Voilà, voilà. Après, tu vois qu'en termes de catégorie, voilà quoi. Il va être un peu alone, mais bon, ce qui est bien en soi, c'est que malgré tout, c'est un boss DB super. Non, force jointe. Ce qui est bien malgré tout, c'est qu'il s'auto-suffit finalement. Parce qu'il change d'équipe, parce qu'il a l'esquive potentiellement garantie, et parce qu'il donne des stats, et parce qu'il est là pour ça en vrai. Et en soi, il est très très fort du coup. Il est très trop leste, très fort. Deuxième gorgée de café, évidemment. Il peut lancer 2 spé, donc comme tu l'as vu, là, il peut prendre des grosses, grosses stats de def. Ah, si tu l'as avec un ou deux doublons, tu vas vraiment te mettre bien. Moi, je suis très content, j'ai avec deux doublons, ça se testera évidemment sur la version globale. Donc, maintenant qu'on a vu ce que fait la carte, il est très fort, ça vaut le coup de le farmer, évidemment. Si tu l'as, franchement, c'est une très belle unité pour boss de film, boss de DB super, à n'en pas douter. Maintenant, l'Extreme Z Battle qui est ici, tu peux reconnaître potentiellement, eh bien, c'est un LR déjà de base. Donc, il y a 10 niveaux, 33 DS à se faire. Il est endurance, donc privilégie potentiellement le puissance, et aussi la catégorie qui brise la barrière, c'est héros des films. Et la catégorie héros des films est très 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 vaste. J'ai pas fait comme d'habitude. D'habitude, je te remets sur le jeu, puis je te montre les teams. Là, on va le faire directement sur le site, hein, parce qu'il y a du team building, donc ça va nous aider à le faire directement. Et tu verras que franchement, ça peut aller relativement vite, parce que t'as pas non plus 150 000 possibilités. Enfin, je veux dire, tu as beaucoup de possibilités, mais je veux dire, tu n'as pas de grandes difficultés, surtout. Ouais. C'est surtout ça que je voulais dire, je me suis mal exprimé. Donc, héros des films. Donc, tu sais que sur le site, hein, si tu cliques là, il te met déjà tous les leaders, si jamais tu veux pas galérer. Héros des films, des leaders, t'en as, mec. T'en as beaucoup. Si t'as droppé Gogeta, bon, bah forcément, 200%, t'es très bien. Héros des films, le duo agilité de la séparation des millions, le duo God du 7e anniversaire, le Goku contre Hero de Garn, n'est-ce pas, un double de Canfest. Tu as aussi les Gamma, potentiellement Gogeta ZTUR, le Goku qui est sur le portée de Gogeta aussi. Bon, il a pas l'avantage type, je te dirais peut-être d'éviter rien que pour ça, ça c'est anecdotique. Après, bon, c'est des leaders qui sont un peu moins statés, on va dire, mais si vraiment t'as pas le choix, t'as quand même des leaders 130% ici en masse. Donc, à noter aussi, je ne vais pas faire l'analyse là maintenant, parce que je suis vraiment centré que sur le nouveau Z-Battle de Broly Chilaïlemo, mais tu vas avoir aussi le Bardo Guinée ici, comme tu peux voir, qui va passer ZTR, et le Broly Paragus, qui souffre du fait qu'il n'a pas de catégorie quasiment, c'est un autre problème. Mais du coup, je le casse quand même ici, voilà, parce que ça, ce seront des médailles différentes à obtenir, ce ne seront pas, je crois, les mêmes médailles que Broly Chilaïlemo. Lui, c'est les médailles du Z-Battle de Timebreaker, c'est ça, ce qui me semblait. Donc lui, ce sera la médaille du battle de Time Breaker. Et le Broly Paragus de mémoire, on va regarder. Hein, les gars, on a le site qui est là pour ça. On est chill, pas de souci, tranquille, c'est un extrême. Il est ZTUR, hop là, on tombe en 2-2 dessus du coup. Il est là, et c'est quelle médaille pour lui? Ah bah le Broly Carry Agilité. Voilà, donc pour information, c'est casé dans la vidéo, vous ne pourrez pas dire que je ne l'ai pas dit. Donc, héros des films, la catégorie la voici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, ça va aller plus vite. Dans la page du team building, et dans la page du team building, en fait, tu vois, tu vas pouvoir sélectionner une catégorie. Donc, évidemment, l'autre y plante, voilà, tout va bien. Donc, héros des films, c'est là. Et ici, tu as un certain nombre d'unités. Alors, il faut partir avec des LR, c'est mieux. Et éviter au max le fait de ne pas être en... Enfin, d'être en désavantage du type, hein, si tu veux. Donc, je vais reprendre, voir s'il n'y a pas d'autres... Normalement, il n'y en a pas d'autres. Hein. Pardon, c'est ici, c'est le Z-Battle. Je vais y arriver. Donc, les Z-Battle, le site, s'il te plaît, réveille-toi. Allô? Évidemment. C'est toujours au moment où tu fais une vidéo que le truc, tu sais même pas pourquoi ça rame. Voilà, super. Donc, il manque quelques images pour les super ZTUR. Ça, je crois que tu commences à avoir le bail. Donc ici, voilà. Donc là, ici, il n'y a pas grand-chose. Je crois que c'est peut-être à partir de là où tu as un truc supplémentaire un peu relou. Réduit les dégâts à 90%.
Non, c'est pas là. Je regarde s'il n'y a pas une spécificité par rapport au super extrême. Réduit 85%, très bien. Attaque et défense, ok. Non. Pas pour l'instant. Et enfin là, c'est au moins comme ça, vous avez toutes les infos. Je suis désolé, ça traîne un peu. On va encore me le reprocher. Non, c'est bon. Donc non, il n'y a pas de super extrême qui tienne. Donc là, bah ici, c'est simple. Tu pars au mieux en héros des films. Si tu veux vraiment... Alors n'oublie pas qu'il faut des LR. Hein. Tu peux regarder ici plus bas, tu as tous les LR héros des films. Donc tu as Gogeta, tu as Pion Minoshia. Et puis après, en vrai, je dirais, tu peux même prendre, je sais pas, lui, les deux ici. Et puis là, déjà, tu as une team. Voilà. Là, tu as une team. Tu roules dessus en mode auto, il n'y a aucun problème. Hein. Si t'as pas Gogeta en lead, bah tu l'as bien vu. Hein. Ça marche aussi de prendre lui. Ou alors, ça marche aussi de prendre lui. Potentiellement, alors les TUR évite quand même parce que ça fera pas de dégâts vu que c'est pas des LR. Mais là, franchement, enfin voilà, là t'as toutes les unités héros des films du jeu. Tu peux même trier ici avec une autre catégorie si tu veux faire une catégorie dans la catégorie. J'ai n'importe quoi, si tu veux voir par exemple Combat du Destin. Voilà, c'est juste pour l'exemple, hein, mais tu peux tout regarder. Donc tu peux te rendre compte qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à faire avec cette catégorie-là. C'est une catégorie qui a été très très buffée à un moment donné. Donc après, à toi de voir quels sont tes leaders, quels sont tes LR, tri, héros des films LR, regarde tout ce qu'il y a. Je veux pas croire que dans ta box, il n'y a pas au moins 2-3 unités qui sont là. Après, au pire, tu peux combler avec des TUR puissants si t'as pas forcément que des LR. Mais en termes de lead, tu vois, tu peux même partir, regarde. T'as même une alternative ici qui est sympathique, vraiment très sympa. Genre en Super Saiyan. Tu pars avec lui, lui. Bon, pas Gogeta, parce que sinon tu l'aurais mis en 200% leader, t'as compris. Mais genre Guan Goten, même... Gogeta, le vieux Gogeta peut potentiellement dépanner. Ah, tu vois, tu peux faire une team comme ça aussi. Ça peut marcher aussi. Après, tu vois, tu as différentes alternatives. Hein. Après, c'est à toi de voir ce que tu as dans la box. Tu peux partir du coup en vraiment héros des films avec un leader héros des films, avec un leader Super Saiyan. Ici, tu peux voir que tu as une team full LR. Et enfin, tu peux partir aussi avec une team famille Sangoku. Si tu prends Gohan Goten ici en lead, tu peux partir avec une team. Enfin, voilà. T'as vraiment de la place. Alors, les deux, tu pourras pas, pardon. My bad. Parce que lui, c'est un Goku SSJ. Mais t'as compris le principe, hein. Tu combles ta team comme ça. Tant que tu n'as pas deux unités qui ont le même nom, faut faire attention à ça. Donc voilà. Alors ici, évidemment que bon bah le must du must, pour moi, c'est cette team-là, tu vas voir. Le must, hein. C'est Goku Genki ZLR. C'est lui. Ensuite, tu peux prendre évidemment Gohan Goten qui part facilement en SP. Le duo, ça peut marcher aussi. Donc là, déjà, tu as une ossature de team très forte. Et enfin, pour finir, parce qu'en plus, ils ont un link set de Super Saiyan quasiment, donc tu vas les linker très très bien. Évidemment, ils n'ont pas le même nom. Et après, le dernier, en vrai, ça se discute. Si tu veux vraiment rester là, tu peux prendre Gogeta. Sinon, tu peux prendre le Goku qui se link bien avec les autres. Ou sinon, tu prends ici un support. Tu peux prendre un support, genre lui, par exemple, qui est complètement OZEF et que tu as jeté chez Baba parce que tu avais la flemme de le dropper. Bah, tu peux le prendre aussi, il va donner 40% de stats. Ça peut le faire, bon, il fera pas de dégâts, c'est pas un LR, mais il a l'avantage de la classe. Et ça fera le job, il pourra donner des stats. Voilà. J'ai essayé d'être complet, comme d'habitude, les gars. Donc normalement, il ne devrait pas trop avoir de questions. En tout cas, voilà. Quand est-ce qu'il arrive? Comme je vous ai dit, c'est censé arriver demain. Maintenant, j'en doute un petit peu. Peut-être après-demain, on verra en fonction de la com et en fonction de ce qui pop dans le jeu comme news. Sur ce, écoutez, les amis, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le soutien. Le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube, retour 50 000 abonnés les amis, c'est la dinguerie. En plus du cosplay, bien sûr, je vous ferai gagner une carte cadeau, évidemment, comme toujours. Dès qu'on passe un palier, c'est important de marquer le coup pour vous remercier. Et sur ce, bah, passez une excellente journée, très bon 14 juillet, prenez soin de vous et à très très vite sur la chaîne pour toujours plus de Dokkan. Salut!